ai joué également avec Jim, qui a été supplémenté pour se réclamer, ou encore avec After Mars, le numéro 3, dont la forme est au beau fixe. Attention également à Spanish Falcon, qui avait bien débuté dans un très bon lot la saison dernière. Le départ qui vient d'être donné, on est parti à l'instant donc pour se réclamer, prix de Levallois, 1950 mètres à couvrir avec Step and Go, le numéro 5, qui a pris un très bon départ. On est dans le coup également avec Spanish Falcon, le numéro 7, en troisième position. On va retrouver Jim, il s'agit de l'As, la quatrième place ensuite pour Rinaldo, le numéro 2, avec également le numéro 4, Mister Worldwide, qui est relativement bien placé, After Mars, numéro 3, qui se faufile à son tour côté corde. Ferme la marche pour le moment avec Sanremo, le numéro 8. On est également à l'arrière avec Party Gift, le numéro 9, ou encore un petit peu plus loin avec Freedom Tales, le numéro 6. Le peloton qui a tendance à s'étirer désormais sous l'impulsion toujours de Step and Go, le numéro 5, qui est le meilleur avec Spanish Falcon, qui est bien placé pour le moment dans le sillage de Christophe Soumillon. Jim qui est troisième, à son intérieur After Mars, le numéro 3, avec le numéro 4, Mr. Worldwide, qui vient en cinquième position devant Freedom Tales, le numéro 6, Rinaldo, le numéro 2, avec Party Gift, le numéro 9, et on est toujours à l'arrière également avec Sanremo, le numéro 8. Pas de changement en tête de l'épreuve avec Step and Go, le numéro 5, le favori qui est toujours seul en tête avec la deuxième place pour Spanish Falcon, le numéro 7, Jim qui enclenche, attention, l'As à son tour, il est pisté par Mr. Worldwide, le numéro 4, avec également Aftermath, le numéro 3, qui est côté corde, les favoris qui sont aux avant-postes et les choses sérieuses qui vont bientôt débuter dans ce réclamé avec Step and Go, le numéro 5, qui va tenter d'aller le plus loin possible, Spanish Falcon qui commence à venir à la hauteur de Christophe Soumillon, Jim qui est déjà sollicité After Mars, qui cherche un petit peu le passage, le numéro 3 avec Mr. Worldwide qui trouve sa cadence, et Freedom Tales, le numéro 6, qui regagne un petit peu de terrain. On en fait de même avec Rinaldo, le numéro 2, avec Jim Las qui venait à prendre le meilleur, à Spanish Falcon qui se défend bien, Freedom Tales, le numéro 6, qui finit de plus en plus vite, avec Rinaldo, le numéro 2, Jim Las qui va garder le meilleur jusqu'au bout, Freedom Tales sera deuxième, Mr. Worldwide va prendre la troisième place et la quatrième certainement pour Rinaldo, le numéro 2. Jim qui s'impose, As 6, 4 et 2 visiblement.